Eh ben, bonsoir à tous, bienvenue sur cette carrière avec Master City. On va faire que deux matchs, on va faire que deux matchs ce soir parce qu'on ne peut pas faire, s'il y a deux matchs à faire. On va faire que deux matchs, on va jouer le Porto, le match retour. Ah, je vous dis la question, on va jouer, bon là on joue, je vous rappelle qu'on contre Porto, bon contre Porto on joue à l'extérieur match retour parce qu'on avait perdu 3-2 chez eux, on joue à domicile. Fulham, ce sera à domicile face à Fulham. On joue à l'extérieur contre Fulham, ce sera chez eux. 9e, tu vois, 9e, c'est pas mal, tu vois, voilà. Et les derniers matchs, on fera peut-être mercredi prochain, on fera les deux derniers matchs, on verra ça, tu vois, que. Voilà. Enfin, espace, attends, je vais faire un petit espace sur le truc. C'est très très truc. Attends, j'étais comme ça, voilà. Attends, je vais pousser ça. Ouais, je vais pousser. Comme ça, voilà, c'est un peu mieux comme ça. Voilà. Allez, je vais vous montrer le classement. On est 5e avec 68 points. Voilà, je vous montre ça. On est 5e avec 68 points. On est un point d'avance sur Aston Villa. Voilà. La tactique, ça bouge pas. On reste en tactique. La tactique, on reste en 4-2-3-1 contre la possession. On rappelle que c'est. Alors, on joue des rôles tactiques. Bon, Walker, bah, là c'est bon, rester comme ça. Bon, le problème c'est du côté de Rodri qui se passe son poste. Hein. Rodri qui se passe son poste. Hein. Parce que Rodri, on va laisser comme ça. On va quand même comme ça parce que tu vois là. Il n'y a pas les stades, excusez-moi, mais ça n'a pas le stade, c'est pas grave. Ouais, je crois que je vais rechanger le skin parce que le skin il marche pas bien. On va rechanger le skin, je vais mettre le truc que tu m'as dit là. Attends, le stade. Attends. Ben, Cancelo, voilà. On a le petit Sébastien Nestor. Sébastien Nestor. Nestor. Sébastien Nestor qui pourrait, c'est un bon gars. Ben, il va le mettre à double la densité. 7,7, bien. Voilà, ben De Bruyne qui pourra assez bien. Trophée par Saka qui remporte le trophée, tu vois, pour ça. Demander, bon, attends, ouais, peut-être que je ne t'avais pas, c'est au stade que je vais mettre. Hein. On verra ça, attends, j'ai pas les stades là. Attends, je vois la carte. Ah, si. Ah, c'est pas lui, merde. C'est pas lui du tout, mince. Attends, regardez classement. Voilà. On a tous les photos, mais là on a tous les stades. Mais il manque le stade de. Tu vois, on a le stade des Tirades. Il faut rajouter un truc là. Il faut ajouter un truc. Ah, ça, c'est mon clarière là. Attends, je regarde les stades. Ah, je vais rechanger. Ah, bah, il marche bien le skin, mais je vais changer parce que on va le rechanger. Non, je vais rester comme ça, je crois. Attendez, les gars. Stade. Big Zone. Attendez, l'équipe, je suis en train de faire un truc. Stade. Ah, il manque le truc à gauche. Donc, c'est ça. Skate. Ah, il manque quelque chose là. Stop. Attendez, c'est quoi le nom du stade? Photo stade. C'est en 2020, je crois qu'il m'a demandé. Bon, les gars, je vais changer de skin, les mecs. Je crois que je vais changer hein, parce que il est bien ce skin. Il est bien, mais on voit pas le truc du stade. Regardez. Attendez, je vais aller là si je voulais. Il manque une photo de stade 2020, il faut que je trouve la photo du stade 2020, mais on va retrouver. Attendez, je vais rechercher. Attends. Document. Dans
Attends bien. Je crois que j'ai enlevé le truc. Bon, c'est pas grave, je verrai en fin de live, je vais regarder, enfin, je ferai en fin de live, je vais regarder. C'est ça qui manque, il manque ça, tu vois. Le truc à gauche, donc le truc à gauche, ne quittez pas. FIFA Odol baisser un jour, c'est pas grave, FIFA Odol va mettre en éducation. Parce qu'il c'est un jeu important effectif. Notre ami FIFA Odol, on va quand même le donner en éducation. Éducation générale pour FIFA Odol. Et Philippe, c'était Philippe, c'est le coup dur. Hein. 9 à 2 semaines pour Philippe qui s'est blessé. Largement coup dur. Pour Philippe. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Écosse, ok. Ouais. Alors, Bernardo Silva, vice-capitaine. Bien sûr. Un entraînement pour Nata qui est Bernardo Silva et Ruben Dias. Ajouter le staff, oui. Nico Lewis, le pied gauche, bien sûr. On va récupérer Phillips entre 7 à 10 jours et Ederson revient dans 4 semaines à 7 semaines pour Ederson. Ça va être coup dur pour Ederson, je pense que ça va être compliqué. Voilà. Ok, on avance. Alvarez, il faudra qu'il y ait de jouer, c'est parti. Allez, on y va pour la demi-finale. Retour. Attaquer une passe en finale. Une pause d'échangement, on va rester comme ça, je crois. Tire de loin. Ouais, je vais rester comme ça. Je crois qu'il veut que je reste comme ça. Je vais rester comme ça, je crois. Voilà. Allez. Putain, j'ai fait quoi là? Il y a deux suspendus dans l'équipe. Ouais, je crois que. Les coups pieds arrêtés. On est combien en coups pieds arrêtés? Bon, on est bon. Ok. Allez, c'est parti. Ah, Philippe qui est blessé, d'accord. Ah, il est blessé, Philippe qui peut pas jouer. Ah, il est blessé, ok. Fasse un changement. Ah, il peut jouer au milieu de terrain. Non, il peut pas jouer à Ritson. Philippe, c'est un quoi? C'est un milieu de terrain. Scarbrock va jouer à ce poste. On va mettre le petit Jacob Magouane qui va remplacer Philippe. Allez, c'est parti. Let's go. C'est parti, les gars. Faut trouver le nom du stade, mais on verra. Bon, on cherchera la photo du stade. On cherchera la photo, t'inquiétez pas, l'équipe. On va dire ça. Allez, c'est parti. On y va. Allez, c'est parti. Problème là, ah, ça va aller, c'est bon. Pas qu'il y avait un petit bug, ça va, ça marche. Peut-être pas le son du jeu. Parti. Allez, demandez plus, c'est parti. Premier match. Vous m'entendez là? Son nom. Attendez. Pour de Fifodel. Le centre dans le point de Zach Yama des points. Le centre de retour de Bernardo Silva. Ce serait un corner. Quel retour de Bernardo Silva? Il n'y a pas le son du jeu. J'ai fait n'importe quoi. Le corner, c'est dégagé. Par Land. Ce sera un corner. Attends, je vais regarder si on peut changer. Ah, ok. Il n'y a pas le son. Excusez-moi, l'équipe.
De la musique peut-être. Voilà, c'est bon. C'est bon les gars. Désolé l'équipe. Hein. C'est bon, m'entendez, c'est bon. Je levais le son. Juste que le son était désactivé. Corner, dégagé par Haaland. Carte de danger, c'est bien. Eh ben voilà, tu vois que. Tu vois. Et bon retour de Bernardo Silva, c'est pas suffisant. Donc il était sur dessus la tête de l'Espagnol, dit de Zach, il faut mal sur le centre, mais il faut mal cette équipe de Porto parce que je voulais faire, je voulais changer le truc, mais c'est pas grave, on verra ça après, mais on verra. Pour l'instant ça joue bien parce que là ça va. Oh putain, de bande qui parle en face à Nico. C'est toi, il faut se battre. Le centre dégagé par bien défendu par le par la défense. Bah, c'est Robin Jones qui a carte de danger parce qu'ils sont dangereux cette équipe de Porto. Rappelez que Porto ils ont un but d'avance. Il faut qu'on marque moins deux buts pour se qualifier pour la finale. Ah, c'est contré et corner. Pour eux, ben en fait c'est pour l'instant c'est eux qui qualifient. Si on marque deux buts, on se qualifie, moins trois buts pour se qualifier. Corner dégagé par Haaland. La reprise de Martinez s'est dégagée. Quoi qu'est-ce qu'il y a? Ah, De Bruyne qui a pris un coup. Oh putain, la faute. Ah, carton pour faute de carton sur la faute sur Kevin De Bruyne. Et De Bruyne qui a pris largement un coup. Ouais, je crois. Ouais, je crois Kevin De Bruyne qui a pris un coup. Bah voilà, Kevin De Bruyne qui a déjà pris un coup. Allez, on joue. Oh putain, Grealish qui perd le ballon face à Tony Martinez. Il avait du mal. Jack Grealish qui a perdu largement le ballon. Mais en fait, c'est dommage que Grealish perd le ballon. Sérieux, faut jouer les ballons, les mecs. Bien récupéré par Walker. Ça, c'est bien joué. Putain, il est hors-jeu, Haaland, pourquoi t'es hors-jeu, putain, c'est pas vrai. Bonjour de Wardjol. Faut changer peut-être les rôles des postes parce que là tu vois que dans match. Ça c'est bien. Ça c'est bien joué. Allez, la frappe de Grealish. Il y avait hors jeu. Pour les Galand est toujours hors jeu. C'est pas possible. Allez, coup franc, la combinaison. Bien joué. La frappe de Wardjol à côté de Diego Costa. La combinaison était bonne. C'est à côté de Wardjol. Et Stones qui a déjà pris un carton. Dégagé par Stones. De Pepe, la parade de Pepe, la parade de Zach. Il n'y a rien qu'il faut, Zach. Elle arrive de Zach. Engage-toi au moins. Ouais. Corner dégagé par Haaland. Carte de danger. Bah, mais pour l'instant, il faut marquer un but, les mecs. Parce qu'il reste encore il reste deux matchs, on a fait deux matchs, parce qu'après le prochain épisode, ce sera deux matchs encore une fois. Si on est en finale, il reste trois matchs. Mais tu vois que voilà. Ah, retour, ouais, Pepe qui est blessé. Ouais, Pepe qui est blessé côté de Porto parce qu'ils ont deux blessures, mais tu vois que voilà. Et retour de Bruyne, Isaac qui a le ballon. On rappelle que Ederson est toujours blessé, mais Ederson c'est le coup dur que notre gardien titulaire était blessé, tu vois. Ça c'est bien. Allez, le centre, oh, le retour de Pep.
Et ce sera un corner. Le corner. La tête de Walker, la parade de Diego Costa. Ce sera un corner. Le corner dégagé par Pep. Allez, le centre dégagé par Pep. Et ce sera un nouveau corner. Bon, après qu'il faut que je mets, bah, en fait, que Grealish, bah, Grealish, je le mettrai, bah, Grealish joue en 10 parce que De Bruyne joue mieux terme avec Rodri. Le corner à la tête de Ruben Dias sur la barre des buts de Costa. Quelle occasion pour Ruben Dias. Ça marque sous pied arrêté. C'est le coup de joueur. Ça fait marquer sous pied arrêté. Ça, c'est bien. Walker qui part, lui, bah, il serait une touche. On récupère la balle. Bah, je crois qu'on récupère la balle, tu vois. Et puis t'as déjà Rodri prend un carton. Ouais, Rodri, j'avais pas vu qu'il a pris un carton, Rodri. On va se calmer, Rodri. Le centre dégagé par Ruben Dias. Ok, bah alors. Et aussi Haaland qui a pris un carton aussi, j'avais pas vu. Ah, Haaland, hors-jeu, lui, sérieux. Pas possible. Tiens, engage-toi moins, Rodri. Haaland, nous aussi. Allez. Vas-y, peut-être le retour de. Ce sera un corner. Mais défendu par. En fait, il y a corner pour eux. Ben, pour l'instant, les corners s'enchaînent pour nous. Mais on n'a pas de but. Allez, le corner. La tête d'Haaland dessus. Le but de Diego Costa. Ah, il faut se couper, engagez-vous plus. Là, quoi. Il faut se couper, ça. Il m'a dit ça, l'adjoint. Il a bien raison de dire ça. Parce que engagez-vous plus, c'est compliqué à jouer. Parce que là, c'est compliqué. C'est là quand tu engages au plus, ça tue ça. Tu vois. Voilà, parce que je vais les. Voilà, peut-être payer par Bernardo Silva. Ça c'est bien. Bien joué. Vas-y, vas-y. La frappe d'Haaland et la parade de Diego Costa. Ça sera un corner. Pas de pousser, hein. Putain, on pousse, hein. Allez, le corner, c'est dégagé. Allez, les gars. Voilà, c'est bien. Ça, c'est bien joué. Ah, dommage, on rate du Costa. Est-ce qu'on sort sur son de Wargel chez Haaland? Allez, dégagé par Ruben Dias. Jouer le centre, attention, Haaland pour lui mettre la tête, la frappe de De Bruyne et ça fait 1-0 face à Porto. Kevin De Bruyne qui marque le but du 1-0 et tout est à refaire. 3 partout sur les deux matchs, c'est bien ça. Mais il marque son but, Kevin De Bruyne, bien joué. Ça fait 1-0. Regardez le centre de Phil Foden, Haaland qui laisse ce ballon à belle passe de Bernardo Silva pour Kevin De Bruyne qui trompe Diego Costa. Ça fait 1-0. Bien joué ça. On va citer déjà les passeurs. Kifodel, Bernard Silva et Kevin De Bruyne. Ça fait 1-0. Parfait les gars. Et pour l'instant c'est tout à refaire. Si on marque le 2-0, c'est nous qu'on est qualifié pour la finale. Soit contre Arsenal, soit contre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Bien Kifodel, quel retour face à. À Mario. Ah, pour l'instant ça tient. Bien joué. Oh là là, le retour de. Il a fait marquer Foden, dommage. Quel retour de... On voulait marquer 2-0. Au revoir, je le prie par PP. Tiens, vous tuer le match. Hein. Vous voulez tuer le match. Qui a pris un carton, ça. Ah, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi le carton, c'est Pep. Pep ou PP qui a pris un carton. Si bien. Déjà Mario, vas-y. Allez, le 2-0. Et le 2-0. Signé Jack Grealish. 2-0 face à Porto. Pour l'instant, 4-3 sur les deux matchs. Pour l'instant, on est qualifié. 4-3.
face à Sitch, à Porto. Bien les gars. Voilà, passe de Rodri, belle passe de Haaland. Ah bah c'est Fifoda qui a laissé ce ballon à Jack Grealish. Ça fait 2-0. Super. Parfait ça. Voilà. On va confisquer Fifoda, toujours le même, Fifoda. Leva Silva peut-être. Et Jack Grealish. Ça fait 2-0. Allez, ça sort, ce sera une touche pour nous. Bah, pour l'instant, ça tient parce que pour l'instant, ça joue très bien à la bavale, tu vois. Et voilà, c'est 8 ans. 8 ans, 2-0 à 8 ans face à Porto. Alors, je vous dis les stats avant d'attaquer la deuxième période. Je vais les stats juste au milieu. Bon, 8 tirs, on a 8 tirs contre 5. Non, c'est juste à gauche, excusez-moi. C'est pas ici, c'est là. Ah, je vais vous montrer les stats de cette première 8 ans, les mecs. Voilà, on a 8 tirs contre 5 cadrés, 1,58 DJ, 101 possessions, 5 corners, 6 fautes et 92 passes. Ils ont 3 tirs, 0 cadrés, 0,34 DJ, 39 possessions, 4 corners, 6 fautes, 88 passes. Voilà, toujours pour l'instant ça va. Allez, vestiaire, c'est parti. On va dire. Voilà, je suis content de vous, les gars. Ah, ça marche pas. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas là-dessus. Le jeu, il va. Ah, c'est bon, c'est bon. Désolé. Allez, deuxième période, c'est parti. Le jeu qui a eu deux fois deux cornes un peu, mais ça va, ça marche. Ouais. Ah, ça va, tout va bien. Pour l'instant, on est qualifié pour la finale. Pour cette Ligue des Champions, pour l'instant, c'est la première finale que je vais jouer avec cette équipe. Parce que là, c'est une belle équipe. Ça, c'est bien. Bien joué. Oh, oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, Haaland qui est hors jeu. Ah, il y a Haaland qui fait faute. Il y avait Haaland qui est déjà averti. Hein. Attention, attention, Haaland qui est déjà averti. Parce que j'ai déjà été averti. Ça, c'est bien joué. Le centre s'est dégagé. Un nouveau centre dégagé par Cancelo. Ce sera un corner. Ouais, parce que le prochain match sera peut-être 3 matchs. Si on gagne contre Porto la demi-finale, on sera en finale. Le corner à la tête à l'an de la parade de Diego Costa. Ce sera un corner. C'est bien tiré ce corner. Bien tiré ce corner. T'es bien tiré. Ouais, t'es bien tiré. Allez, le corner. La tête de Rodri au-dessus. Début de Diego Costa. Passe pas mal. Ouais. Allez, autour de Stone, se récupère. Ah, vas-y, alors on est toujours hors jeu, sérieux, toujours pareil, toujours hors jeu. Ouais, toujours hors jeu. Ouais, mais alors toujours le même hors jeu. Ça c'est bien joué. Dégagé par Mario. Par Joël Mario, je crois. C'est un Mario, je crois. Allez, le centre, c'est dégagé. C'est pas fini. Allez, voilà, bien. Là, c'est bien joué. Bien joué. Ah, dommage, tour de Pep qui carte le manger. Le centre. Ah, qui s'y a? Ah, il y a Pedachi. Il y a Pedachi. Il y a Pedachi. Ah, il y a Pedachi. Ah, il a poussé. Ah, ouais, j'avais pas vu. Il y a quelque chose là. Il y a Pedachi, je crois. Attends, il y a l'avare, les mecs. Il y a l'avare. Attendez, il y a quelque chose là. Ah, qui s'y va déjà l'arbitre? S'il va dire. Alors? Eh ouais, penalty accordé. Eh bien sûr qu'il y a penalty, monsieur. Bien sûr. Il y avait quelque chose. Bien joué ça, 3-0. Signé Erling Haaland. 3-0 face à Porto. Et 5-3 sur les deux matchs. Pa. Allez, Benchia, alors. Ouais, le penalty. Pas, il peut rien faire, Diego Costa. Et 3-0. Et en félicité. Parfait. Pour l'instant, on est 3-0 à Porto. Et bah, super. Hein. C'est la première fois que je vais être en finale de cette Ligue des Champions. Soit contre Arsenal, soit contre le Paris Saint-Germain en finale.
Récupéré par Bernard Silva. Ça c'est bien joué. Bien joué. Oh là là, Grealish a frappé la parade de Diego Costa. Ce sera une coordination marquée. C'est le 4-0 face à Porto. On va marquer un quatrième. Allez, le corner, la tête d'Alain et le doublé. 4-0 face à Porto. 6-3 sur les deux matchs. Oh là là. Oh, c'est beau ça, c'est beau ça. Oh là 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 là. C'était les deux buteurs. Ben, c'est le passeur Alain qui marque son doublé. 5-4-0 et ça fait 6-3 sur les deux matchs. Allez, retour de Robin Just, attention, dégage-moi ça, dégage-moi pas Walker. Ouais, vous l'avez dit, hein. Ah là là, je suis content de... Attends, je vais faire des changements, les mecs. Je vais faire des changements. Ah, le jeu, il met ça. Pour un changement, sortir Grealish. Là, je vais laisser pour Haaland. Je vais rentrer Lozoni. Fifo 2 va sortir. Jiri Doku qui va rentrer. Je vais laisser Bernard Silva, il est énorme. On va laisser Bernard Silva pour le match. Je sais pas. Confirmer les changements. Pas confirmé. Ah, qu'est-ce qu'il y a le jeu? Ah, ça y est. Ah, déconne, ça va, ça va. Parce que le jeu, des fois, il décom, ça n'est pas du jeu, ça fait du skin qui a un petit problème. Ça, ça marche. Je m'adapte. D'ailleurs, De Bruyne, c'est pas suffisant ton tacle. Le centre, hein, une pointe de ça qui a des points. Retour de Rodri. Rodri qui récupère, c'est bien Rodri qui vient tacler. Le coup franc de Bruyne au-dessus. Début de Diego Costa. Attends, je vais faire des changements parce que là, ça je vais faire des changements, les mecs. Je vais faire des petits changements. Bon, Haaland va sortir les changements. Bon, Silva qui fait un bon match. On va commencer à sortir les blessures. Bon, Wardiol va faire rentrer Sergi Gomez au lieu d'attaquer. Donc, je vais rentrer d'attaquer côté gauche. Bon, sortir Bernard Silva. Sergio Gomez. Et Haaland va sortir. Non, Rodri ou Haaland, je crois sortir. Je vais sortir. Non, Rodri qui a pris un carton. Non, Haaland va sortir. Alvarez. Rodri. Ah, d'accord. Chargement sous effet, je suis d'accord. Allez, c'est parti. Allez, parti. Allez, le coup franc, la tête de Stones au-dessus, début de Diego Costa. Donc on va gagner du temps parce qu'on est à 4-0, on va combien du temps parce qu'on va gagner du temps pour ce match. Déjà 4-0, bien. C'est bien joué. La frappe d'Alvarez et la parade de Diego Costa. Ce sera un corner. Allez, le corner, c'est dégagé. Pas fini. Alvarez. C'est dégagé par la frappe. Gomez qui sort pour léger par Pep. C'est bien joué. C'est bien joué. Oh, quel ballon ça. Ah, c'est trop fort, il récupère Doku, c'est bien. Ah putain, Doku qui était pour ce hors-jeu. C'est le de Sergio Gomez. C'était hors-jeu, ben, il était hors-jeu.
Et du coup, bah, il y a faute de. Ah, il y a du coup qui a pris un coup sur la faute de. Il y a une faute, hein, sur le coup. Mais ouais, mais le mec est fragile, tu vois. Tranquille, voilà, ça c'est bien. Voilà, c'est bien. Ça c'est bien joué. Oh putain, la frappe d'Alvarez est hors jeu. Alvarez qui est en position de hors jeu. Rodri qui cuit, il a fait tous les changements. Rodri qui est déjà fatigué. Mais on... Ouais, mais Rodri, il est fatigué. Et voilà, Rodri qui met la tête, mais c'est dommage. Walker et attention, Stones qui carte le danger. Mais il reste, on est 87ème toujours. Walker qui défend bien Walker, c'est quand même 6 mètres. Mais il reste une 4 minutes additionnelles. Hein. Moi je crois. Je vais féliciter. Pour l'instant, je vais féliciter les joueurs. Je vais pas hacker. La frappe de De Bruyne au-dessus. Début de deuxième poster. Il reste 2 minutes additionnelles. Toujours 4-0. Et il reste 30 secondes pour aller une place en finale. Jouer. Ah, autour de. Bon, on ne pas De Bruyne. Il reste du temps, il reste moins 30 secondes, hein, il reste 20 minutes ou 10 minutes pour rechercher la place en finale. Et c'est terminé, on est en finale. Victoire 4-0. Enfin, c'est Porto. Pour l'instant, on fait le job, les mecs. C'est bien, les gars. Bah, super. Voilà. Je vais voir les stats tout de suite. On va voir les stats. Après, je vais dire les notes des joueurs. Bon, les stats avec 20 tirs contre 10 cadrés. 65 possessions. C'est pas ça que je voulais faire, c'est les stats. Ah, ils sont là, les stats juste en bas, excusez-moi. Bon, on a 20 tirs, 10 cadrés, 3,55 DJ, 65 possessions, 9 corners, 12 fautes, 92 passes réussites. Ok. Ils ont 3 tirs, 0 cadré, 0,34 DJ, 35 possessions, 4 corners, 19 fautes et 82 passes réussites. Je vois les notes des joueurs. Les joueurs qui étaient bons. Alors, Zach est très bon. 7,5 pour Zach. Très très bon, Zach. C'est bien. Walker, 7,3. Aussi, c'est pas mal. Très bon aussi. Stone, 7,2. Très bon aussi. Robin Jazz, 7,4. Très bon. Kevin De Bruyne, 7,7. Très bon aussi. Grealish, 7,4. Rodri, 7,3. Très bon. Badon Silva qui a fait le manager. C'est Badon Silva, 8,3. Qui est l'homme du match. Haaland 7,4 pour Haaland, 7,3 pour Haaland, qui est avec ben, c'est l'homme du match. Fifodol qui est une note de 7,4. Voilà. C'est le Gomez qui fait une bonne entrée aussi, 7,4. Voilà. Victoire 4-0 face au FC Porto. Pour l'instant, on est qualifié pour la finale. Voilà, on va dire félicitations, vous êtes en finale, vous êtes bien. Voilà, on va prendre un traversaire. Un peu des gens pour une passe en finale de Ligue des Champions. Pour City, pour eux, sauveur de ce moment. On va dire ça. On est favori, désolé. Oh putain, on joue Paris, les mecs! Paris ou Arsenal en finale? Pour texter, pour ce résultat selon vous. Des victoires. Alors, on pourrait votre notion de remplacer, pourrait inscrire un callback. On va dire ça. Voilà. Voilà. Bon, bah, ça y est, on est qualifié pour la finale. Bah, c'est bon, les mecs. Voilà. City ira à Wembley. Ok. C'est quoi le truc? On va attendre son traversaire. Il ira à Wembley, ok. Et on récupère des sous. On récupère 12 millions 5 pour la demi-finale. Du coup, c'est pas très grave. 2 jours. Du coup, c'est pas grave. C'est pas grave pour du coup qui est pas grave. Et ben Silva qui offre. Qui marque son doublé. Mais l'homme du match, c'est lui. Hein. Bernardo Silva qui est l'homme du match. Hein. Le jeu, il a quoi? Ah, ça y est. Entraînement à donner, on va donner fister aux entraînements. Bon, je suis fier de toi, mec. Je suis fier de toi. Bravo, mon gars.
Ouais, qui est Martinez qui est observé par. Qui, ah, c'est un trio portugais observé par Bernardo Ruben Dias, Bernardo Silva, Diego Costa, Ramos, David Cardoso, Pep, João Mário. Ok. Bon, ça, c'est pas moi qui gère, c'est mon entraîneur adjoint. On va mettre du repos. On va jouer 4 jours de repos contre. On va mettre du repos parce qu'on joue dans. On va mettre une journée de repos, on joue dans 4 jours contre Fulham. On va mettre une journée de repos parce qu'on joue à Fulham. On va mettre une journée de repos. Voilà. Ça, je vais faire ça. Allez, on avance. Putain, il faut que je trouve la photo du stade. Hein, si on peut le retrouver. On verra plus tard quand on aura fini le match. Ouais, voilà pour la victoire. Il a raison de dire ça, l'entraîneur adjoint. Il a raison. Bon, bah, ça va en travers 50 km. On va jouer en finale avec des champions. Attention. Salah, dans les... Alors, Salah qui est mieux placé que Haaland, Saka. Odegaard et Lewandowski. Sergio Gomez. Qu'est-ce qu'il y a? Rodriguez des prêts. D'accord. Ouais, mais Sergio Gomez, il joue bien. Hein. Il a bien progressé, hein, le mec. Bien sûr qu'il a bien progressé. Ouais. Bien sûr. Il pose quoi comme cible là? Paulo Fornals, Clément Lenglet. Ouais. Ok. Rapport de Fulham, hein, ouais, Fulham c'est comme ça, ok. On joue chez eux. Alors maintenant on va faire 50 qu'on va jouer. Arsenal Paris pour la finale des champions. Qui va gagner? Oh putain, ce sera Paris les mecs. Ce sera contre le Paris Saint-Germain. Oh putain, contre le Paris Saint-Germain en finale les mecs. 1-0 face à Arsenal qui sont éliminés. Paris qui passe. Paris qui sont qualifiés. Ah, je vous demande la surprise à l'équipe. Alors Ligue des Champions. Ligue des Champions, attendez, je vais vous dire ça. Ce sera contre le Paris Saint-Germain en finale, les mecs. Ce sera contre le Paris Saint-Germain. On joue à l'extérieur. Ce sera Wembley. On joue Paris City. Le 1er juin, l'équipe. La capitale, on jouera. On va mettre une repos. Un repos une... On va mettre un match un jour. Voilà, on va mettre des entraînements. Ça va être un gros match. On jouera le 1er juin. Ce sera 3 matchs. Prochain épisode, ce sera 3 matchs. Voilà. Jacob. Bon, Jacob qui voulait jouer, mais il n'est pas rentré. Jacob, on va donner double densité. Déjà bravo, voilà. Je peux pas plus. Ok. Là on l'a eu 21. Ok, je suis compris. Jack Grealish, on va le donner une récompense à Jack Grealish, c'est bien. Rapport Fulham, ok. Alors, boîte vocale, ok. Guichet fermé. Il pose des changements contre Fulham et contre Rodrigo Luis Welker. Wardiol, Robin Jass. Ake, Wardiol. Kovacic, Rodri. Matias Nunez, De Bruyne. Avarez, Bernardo Silva. De Bruyne, qui tu en dis, à la place de Grealish. Et Grealish à la place de Phil Foden. Alors, des changements pour ce match face à Fulham. On est favori face à Fulham, on est chez eux, à l'extérieur, c'est parti pour cette conférence de presse. Et sur ce match sans défaite, 5 matchs sans défaite. Sur 24 Ederson. Alors, on va récupérer Ederson dans 4 semaines, 6 semaines, ça va être compliqué pour Ederson, ça va être revenir pour Ederson pour la finale peut-être. Ces questions sont pas intéressantes. Ok, rien de coup dans l'esprit du groupe. Eh oui, bien sûr. Qui s'entraîne bien. Wardiol, bah, Wardiol m'en parle pas. Wardiol, Wardiol très bon entraînement, c'est bien Wardiol. Les Galandes. Puis bien Haaland, progresse. Alvarez, très bon aussi. C'est bravo Alvarez, très bon.
Ortega qui s'entraîne mal. Ortega, je suis désolé pour toi. Allez. Ok. Ouais, Zijinko. Ok, bah ça, il est tout le monde 100%. Doku et Fifolo sont prêts. C'est parti. Arsenal gagne 4-1 à Manchester United. Arsenal qui passe en tête sur Manchester United. Allez, c'est parti. On va rester la même équipe. On va rester en équilibré comme d'habitude. On reste en positif. Je suis désolé. On va changer l'équipe. On reste comme ça. Ouais, tout le monde est prêt. Ouais, faut mettre un attaquant sur le banc parce qu'il faut un buteur sur le banc parce qu'on n'a pas d'attaquant. Parce que je sais pas comment on va mettre un attaquant. Ouais, les coups arrêtés, on est bon, coups arrêtés. Ah, c'est bon. Allez, c'est parti, on y va. Faut que je mette un attaquant remplaçant parce que je mets un buteur sur le banc. Ensemble. Alors, une fois, on a qui sur le banc? On a Ben sur le banc, Ben qui peut jouer en pointe. Ouais, je vais en attaquant lui. MS113, je tête 10. Je mettrai lui sur le banc. Lui qui peut jouer, il y a lui, ouais. Il y a deux coups, ouais. C'est parti. Allez, c'est parti, les gars. Parti pour ce match. Pareil, on va faire comme ça. Ok. Allez, on va en donner plus pour ce dernier match face à Fulham. On est chez eux. C'est parti. C'est bien joué. Allez, le centre, la tête d'Alande. Ça fait un 0 face à Fulham. Alande qui marque son but face à ça. Bon, déjà un 0. On marque à la 30. On marque au premier match et on marque un but. Ça fait un 0 face à Fulham. Bien joué. On marque le passe de Grealish pour Nata Aké qui fait un bon centre pour Haaland au centre. Nata Aké qui trompe Leno. Ça fait un 0. C'est bien les gars. C'était qui déjà? C'était Grealish sur Grealish et G. Non, j'ai visité Nata Aké, je crois. Je peux pas visiter. Ah, c'est les commentaires qui me proposent. Ça va une touche à les touches pour nous. Pour l'instant, c'est ma coche des commentaires, c'est pour ça que là on est pour l'instant on passe quatrième les mecs, on passe quatrième du championnat, c'est parfait. Le franc dégagé par Wardiol. Bien joué, avec le niche, ce sera un corner. Allez, le corner, la tête de Kovacic au-dessus. Le but de Leno. Allez, bon tour de Dakir. Bien joué, le centre s'est dégagé. Bien récupéré par Stones.
Grealish pris par Navarro, bah, il parle long, Jacques Grealish qui a du mal. Pépé par Kovacic. Frappe de Kovacic là au-dessus, le but de Leno. Pas trop chance, c'est dommage. Allez, le coup franc, la tête au-dessus, but de Zach. Autour de Nathan Aké. C'est bien joué. On frappe d'Alvarez au-dessus. Début de Leno. Ouais, je crois que c'est ça. C'est bien joué. Bon, là, il y a faute. Faute d'Antoine Robertson sur Alvarez. Et ce sera un penalty. Il a fait faute Antoine Robertson sur Alvarez. Ce sera un penalty. Je souhaite qu'il y a penalty, monsieur l'arbitre. T'as raison de dire ça, il y a penalty. Bien joué, 2-0. Signé Erling Haaland. 2-0 face à Fulham. Qui a marqué le but à l'heure, retrouve 26 la saison à Haaland. 2-0 face à Fulham. Pour l'instant, on réagit bien. Les penalty sont bien transformés. Bon, super. C'est bien. Il a marqué 2000 personnes, il a marqué un but avec Jumon face à Porto. Il a marqué un doublé face à Porto. Là, il marque son but face à Fulham, c'est bien. En fait, ça joue bien face à cette équipe de Fulham. On rappelle, si on est avec des champions mercredi prochain, on va continuer la carrière. Une saison 2. On verra, si, on verra ça, si tu gagnes le titre, ça veut dire quoi. Qu'il est bien connu, ce qui joue en latéral droit. Bien joué. Ah putain, Alvarez qui peut vraiment passer à Andrés Pereira. Le centre dégagé par Stones, la reprise d'Alexis au milieu dessus, début de Zach. Garde les suisses au-dessus, début de Zach. Bien joué. La frappe d'Alvarez et la parade de Leno. Ce sera un corner. Allez, le corner, dégagé par Carlos Vinicius. Allez. La frappe de Grealish, le poteau, ça a été contré, c'est un corner. Ça a été dévié la frappe de Jack Grealish. Le corner, la tête de Wardjol, dessus, le but de Leno. Ah putain, Kovacic va le ballon face à Antoine Robertson, du mal Kovacic. Ah c'est contré, ce serait un corner. Pour l'instant à Haaland, c'est les deux lors du match. Le corner dégagé par Stones. La frappe d'Harry Wilson, la parade de Zach. Ce serait un corner. On rappelle que Zach a passé qui est toujours blessé. Corner dégagé par Wardjol. Le centre est recevoir un but. Lancing Gunners, Alex et Lobby et Fleuve revient dans la partie. 2-1. Putain, c'est pas vrai de se prendre comme ça. Putain. C'est pas possible de se prendre comme ça. Et ouais, j'avais dit qu'on se prend un but. Est-ce qu'il est fautif du but sur. On va voir qui c'est sur le but de. On va voir ça.
Ah d'accord, c'est les fautifs, c'est Rico, Lewis et Alvarez sur le marquage de Alexis Oli. Qui est les joueurs Rico, Lewis et Alvarez sur le marquage d'Alexis Oli. Bah, ça en faut le voir dans la partie de plus 1, c'est dur. On se prend un but comme ça, un but encaissé. Mais ouais, c'est dommage. En fait, tu as c'est Walker. Et tu as à droite, c'est Bernardo Silva. Bah, j'ai critiqué parce que c'est leur faute qu'ils ont encaissé. À cause de. Tu vois. Sur le marquage de Alex Louis. Bien joué, le sens est dégagé. Tiens, bon, il ne faut pas de voir, je sais bien. Ça s'est contré, ce serait un corner. Ouais, quand je finis le match, je ferai une photo de stats si on peut le mettre en haut à droite. Le corner s'est dégagé. Ouais, Grealish et le doublé d'Alande. Et ça fait 3-1, le doublé. Derrière Galande. 3-1 face à Fulham pour l'instant réagit. Voilà. De Bruyne qui est. Ah, c'est qui a le ballon? C'est Grealish qui a frappé. C'est Grealish ou Haaland qui a frappé? On va voir ça. Ah, c'est Grealish passeur pour Haaland. C'est Grealish qui est passeur. Pour le doublé de Haaland. Ça fait 3-1. Pour l'instant, Haaland qui marque son doublé. Qui a marqué contre Porto. Il marque encore un doublé face à Fulham. On est déjà quadruplé déjà. Ok, par Rico Lewis. Ah, ça va, pour l'instant, ça tient. Bon, rappelle que si tu réussis bien ta mission, c'est bien de réussir. Et bon, Zodake. Ah, dommage. Zodake face à TT, l'ancien Lyonnais. Il reste 3 minutes en pour cette 7-8 ans. Le corner. Oh putain, c'est pas possible de se prendre comme ça. Putain, il y aurait dans la partie Fulham. 3-2, hein, sérieux. C'est pas vrai de se prendre comme ça. Putain, en 8 ans. C'est pas possible, les gars. Qu'est-ce que c'est le marquage de lui? On va voir ça. Ah, c'est Haaland et Stones. Et Stones, c'est pas voir. On va critiquer Stones, je suis désolé. Stones, Haaland, je vais pas critiquer. Je critique sur Stones. Le marquage du défenseur. Centre, attention, dirigé par Wardiol. Et ouais, il s'est piégé par un coup de pied arrêté. Et ouais. Vous marquez nous aussi de pied arrêté, ils ont marqué une pied arrêté aussi, cette équipe de Fulham. Allez les mecs, vous chien qui est peut-être un quatrième. Pour les désenfoncer. Jouer le centre. Oh là, la tête au-dessus. Début de Lino. Dommage. Et on va attaquer la deuxième période, la 8 ans. 3-1. 3-2, excusez-moi, l'équipe. Je vois les stats. Ah, les stats, c'est là, ok. Je vais mettre les stats juste à gauche, à droite. Les stats, cette première 8 ans. Bon, 6 tirs, 3 cadrés, 0,46 DJ. 27 possessions. 3 cornets à 3 fois, 84 passes réussites. On a plus de tirs que on a 10 tirs, 4 cadrés, 2,06 DJ, 113 possessions, 4 corners, 4 fautes, 94 passes suisses. Ok. Vestiaire. Je vais dire ça les mecs. Je vais dire ça. Voilà, je suis fier de vous les gars. Allez, la deuxième période les mecs. Parti. C'est du ski les mecs, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est. Allez, deuxième période, c'est parti. Bon, après, pour ce qui est du genre de ski, parce qu'il faut que je lève des trucs qui me gênent. J'ai vu ça tout à l'heure. Allez, autour de Bruyne. Bon, putain, Grealish qui parle au long face à Harry Wilson.
Bon, la frappe d'Alexis Lobby contrée par Rico Lewis. Ce sera un corner. La frappe de Respirera, la parade de Zach. Et la tête de Robertson dans les bras de Zach. Bien joué. Le centre s'est contré. Ce sera un corner. Il y a aussi un corner. Allez, le corner s'est dégagé. Ce sera un nouveau corner. Bon, je verrai des trucs tout à l'heure. On trouvera des photos après. On verra. Le corner. La tête d'Alain dans les bras de Lenou. Et si marqué, c'est triplé. Dommage. Il s'en a inquiété par Zach. Pas tout le monde, c'est si bien. Bah, on pas de risque. Hein. Bah, c'est bien. Ça, c'est bien. Ah putain, Alvarez qui parle en face à un autre but. Il a du mal, Alvarez, côté droit, parce qu'ils sont pas, c'est un attaquant que je vois à droite. Il est prêt à pas attaquer. Oh, Grilich face à Castagne. La frappe de Kovacic dans les bras de Lego. Oh putain, dommage. Alvarez pris par Alexis Lobby, il a du mal pour lui, ça se passe bien. Le centre s'est dégagé, avec Chalante s'est dégagé par le défenseur. Il y a eu, voilà, dommage. Attends, je vais faire des changements. Attends, je vais faire des changements. Qui prend un carton? C'est Nico Lewis qui prend déjà un carton. Nico Lewis. Engage-toi au moins, s'il te plaît. Je vais faire des changements là. Ah, c'est bon, je peux. Kovacic va sortir. Max qui va jouer. Max qui va rentrer à droite à ce poste. De Bruyne. Oscar Bob qui va. Oscar Bob qui va rentrer. Jack Grealish, je vais laisser pour l'instant Grealish. Deux changements pour l'instant, deux changements. Fabio Davison s'est contré, dégagé par Alvarez. Attaqué par Zach. C'est bien joué. Oh là là, Alain qui avait là-bas du. Il y a leur jeu. Alain qui est pas sur leur jeu. Ok, leur jeu. On n'a pas vu qu'il y a leur jeu. Ouais, je crois. Elle est autour d'Aké. Allez, le centre s'est dégagé. Vous voulez qu'on puisse face à Alexis Lobby. Et Ake qui défend bien, mais il n'est pas loin face à Harry Wilson. Hors-jeu pour Andrés Pereira qui était hors-jeu. Ok. On va sortir Wardjol qui est déjà averti. Wardjol va sortir, je crois.
Bon, là, le fait va sortir. Akenji va rentrer. Tasaki fait un bon match. On va faire le changement. Allez, confirmer le changement. Allez, let's go. Ah, de jouer ça. Oh, Glenish Kart, ça frappe à côté des buts de l'Eno. C'était bien une touche de la kick, une belle touche, mais après. Après, c'est pour ça, tu vois. Allez, le sang dégagé par Ake. Ce sera un corner. Déjà, Alvarez fatigué. On se tire à Alvarez et Rico Lewis. Corner dégagé par Akenji, dégagé par Stones. Et un ballon Oscar Bob. Je vais encore faire des changements. Putain, c'est quoi qui va sortir? Alvarez. Bon, on va rentrer le petit Ben. Ben qui va rentrer, je crois. Ben va rentrer. Et tu m'as dit Rico Lewis. Samuel qui va rentrer. Côté droit. Allez. Allez, le sens est dégagé par Mathias Nunes. Le sens est dégagé par Akanji. Ah, moi je vois Oscar Bob qui part arrive du mal aller chercher Jack Grealish. Autour d'Akenji qui défend assez bien. Pas si bien joué. Oh là là, Allende le poteau qui tire à côté du but de Lino. Belle passe semaine pour Allende. Sur le poteau. Putain, dommage. Hein. Et Allende. Ah, c'est rendu. Allende qui donne la tête, qui donne ce ballon, mais c'est donné. Vous allez oublier contré par Samuel, la repousse de Touré au-dessus des buts de Zach. Je vais quand même gagner du temps parce qu'on est déjà 3-2. On va gagner du temps, les mecs. On va gagner du temps parce qu'on est à 3-2. Allez, le coup franc, c'est dégagé. Ah putain, il y avait faute sur Oscar Bob, il a pas sifflé la faute. Hein. Putain, c'est dégagé par Castan, c'est une touche. Qui est mauvais choix pris par le. Bah, on a perdu par Ake. Hein. La faute à Kenji qui fait faute sur lui. Ça sera un coup franc. Il reste 2 minutes là. On récupère par Samuel. Ah, c'est bien joué ça. Jouer, assez dégagé, assez rendu ça. Il y a le retour de Max qui défend bien, si bien. Ascarbo qui parle le ballon face à. Il a du mal Ascarbo face à Navarro.
Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est bien. La frappe d'Oscar Bob au-dessus. Début de Lino, il reste 4 minutes de temps additionnel. Toujours 3-2. Il y a un qui met la tête, mais c'est rendu à Castagne. Le centre dégagé par Akanji. Bon, il y a faute sur Haaland, il y a faute à Haaland, il y avait faute sur Erling Haaland, il va prendre un carton le. Oui, ah ouais, il va prendre un carton. Il va carton jaune sur Erling Haaland. Ouais, je crois. Allez, moi, chercher du temps. Écarté par Robert par Zach. Il y a une autre qui est blessée côté de Fulham. Le maître à jouer. Qui s'est blessé. Il reste 2 minutes additionnelles. Toujours 3-2. Voilà. Allez, on va gagner ce match. Allez. Allez, tranquille. Allez, tranquille. C'est terminé, victoire 3-2 à Fulham. On est sur 2-0 de suite, les mecs. C'est bien, les gars. Quelle victoire face à Fulham. 3-2. On va juste voir les stats. Bon, 12 tirs, 5 cadrés. 0,95 DJ. 34 possessions, 5 corners, 11 fautes, 84 passes réussites. Nous, la plus de tirs, on a 15 tirs, 6 cadrés. 203 DJ. 56 possessions, 6 corners, 11 fautes, 92 passes ou 6. Ok. Le joueur qui était bon, c'est Haaland. Alors, les joueurs qui étaient bons, c'est Nata qui est 7,7 pour Nata qui est très bon. Haaland, le long du match, 7,9 qui a marqué un triplé. C'est bien. Il a marqué un triplé, non? Ouais, triplé. Et Jack Grealish, 1,1. Ok. Vestiaire. Victoire 3-2 à Fulham pour le centre sur deux fois de suite. C'est bien, les gars. Super. Pouvez-vous suivre un joueur ainsi de forme pour Harry Gunson aujourd'hui? Très bon joueur. Voilà. Voilà pour les résultats. C'est Bournemouth Brentford 0-0. Everton match Sheffield 2-0. Nottingham Forest qui match nul face à Chelsea 1 partout. Tottenham gagne Burnley 3-2. Et West Ham Luton 1 partout. On reste quatrième, on prend la quatrième place avec 71 points. C'est pas mal, mais c'est bien, les gars. Ouais, faut changer la photo du stade, on verra après, on verra si on me retrouve. La cause de lui, c'est bien. Max qui a eu sa clause, c'est bien. Et Erling Haaland qui marque un triplé. Monsieur Haaland qui marque son quadruplé. Voilà. Belle félicité, lui. Il y a un problème le skin, hein, un problème. Hein. Ouais, je clique sur le joueur, il veut pas se cliquer dessus. Ah, c'est bon, je clique. Entraînement. Ouais, c'est bon, je vais quand même le visiter. Je l'ai visité le joueur, c'est bon. Entraîner un joueur pour ma place, ok. Tactique, je joue combien de jours là? Repos combien de jours? On va jouer dans 8 jours prochains. Alors on va mettre du jour repos, on va mettre peut-être 2 jours de repos contre West Ham. Non, je vais mettre 2 jours de repos. Contre les Hammers, on joue chez nous. On est ici face à West Ham. Alors, Crystal Palace 2-0 à Wolverhampton. Et Brighton 3-0 à Newcastle. Elle est contente pour Haaland. L'entraîneur adjoint est content pour Haaland. Super. Ouais, je suis fier de lui pour Haaland qui a marqué un triplé. Alors le petit Gibson qui a joué 98, 6 à 7, il n'a pas beaucoup joué. Arsenal vers la Ligue des Champions, ok. Je la semaine, c'est Haaland avec son triplé. Et Haaland qui est haut du sommet de première ligue, il a marqué un but en tout. Il a marqué un but Haaland de stopper. Il a marqué en total. 13 buts. 13 buts en première ligue. C'est pas mal. Il a marqué 36 la saison dernière. Là, il marque 13 buts. Voilà. Ouais.
D'accord. Ah, ça a rejoué. Putain, il nous passe devant à cette ville. Il gagne 3-1 face à Liverpool. Cette ville, il nous passe devant. Il nous passe 5ème. Il passe 4ème à cette ville-là. 4, il se passe devant. On passe devant à cette ville-là. Parce que pour l'instant, on perd notre 4ème place. On passe 5ème. Il nous passe devant à cette ville-là. Il passe devant. Ouais, je crois. On a la finale de la Coupe d'Angleterre, plus la finale des Champions. On a deux finales à attaquer parce que tu as le match à West Ham, tu as deux finales à jouer, Arsenal à Wembley et Paris à Wembley. C'est un gros test. Ouais, je crois. Hein. Ouais, ça fait du skin, je crois que ça me fait quelque chose. Hein. Ah, ça, c'est bon. Ah, je crois que je vais changer, je vais lever les trucs. Hein. On verra. Yann Couto, ok. Kevin De Bruyne qui pourrait, si bien. Bien sûr. Alors, quelqu'un. C'est quoi ça? Ah merde. Putain, c'est ce truc qui me fait me gonfler, tu vois. Allons dans l'équipe type, ok. Ok, on va appuyer dessus dans le truc parce que c'est un peu mieux d'appuyer là. Un peu mieux d'appuyer là parce que le côté gauche. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux. Wajol qui progresse bien, Wajol qui progresse bien. Alors, qui c'est qui est convoqué dans l'équipe Belgique? De Bruyne, Doku convoqué avec la Belgique. Kovacic, Wajol avec la Croatie. Grealish, Stones, Foden, Walker, Phillips avec l'Angleterre. Hacker avec les Pays-Bas, Alain avec la Norvège, Bernardo Silva, Robin Dias, Cancelo, Matheus Nunes avec le Portugal, Rodri avec l'Espagne, et Akanji avec la Suisse. Alors il a joué quoi le match lui? Il a marqué deux buts lui, hein, c'est bien. 86 minutes il a joué, 8,9 il a marqué deux buts, c'est bien. Alors, formé au pays, ok. Ok, c'est les joueurs qui sont formés au pays. Ouais. Alors, qui s'aimerait bien Haaland. Haaland, très bon entraînement. Haaland, bravo monsieur Haaland, très bon entraînement. Wardiol, très bon aussi. Wardiol, très bon. Wardiol, très très bon aussi. Alvarez aussi, bon entraînement. Monsieur Alvarez, c'est bien. Ortega, m'en parle pas, il est pas bon entraînement. Scott Carson. Voilà qui est tické. Ok, et enfin. Mohamed Akanji, pas bon entraînement aussi Akanji, monsieur Akanji, t'es pas bon mon gars. Certain. Allez. Une pause des changements. Qu'est ce qu'il me propose contre West Ham? On fait tourner. Walker pour Rico Lewis. Robin Jas, Wardiol. Akanji à gauche passe d'attaquer. Rodri Kovacic. Kovacic à la place de Matheus Nunes, Bernardo Silva pour Alvarez. Il faudrait que j'en dise, ça passe de Kevin De Bruyne, Doku, Grealish. Alors, ça passe d'avant. Ok, il y aura des changements face à West Ham. Ouais, c'est West Ham, c'est ça. J'ai fermé. On va travailler face à Hammer, c'est parti. Haaland, Zuma. Allez, commence de près d'attaquer le truc. Voilà. Allez, c'est parti. Super. Bon, attendez l'équipe, juste faire un truc. Attendez, je fais la photo. Voilà. Là, comme ça en bas. Ok, je vais faire la photo.
Attendez. Ok, c'est bon comme ça. C'est quoi la tactique mamie là? Tactique formation adversaire. C'est les adversaires, d'accord. Ah, je me suis trompé. Attends, j'ai changé les rôles. Attends, faut que je modifie ça. Putain, faut que je les active entraînement. Attendez, faut que je lève quoi là? Tactique. Putain, je peux pas enlever ça. Attends, je vais pas enlever un truc. Non, c'est pas ça. Fichage. Non, c'est pas ça. Attends, on va modifier peut-être. On va modifier. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah merde. Je peux pas. Putain, donne-moi le truc. Putain, arrête de me faire ça. Putain. C'est quoi le truc qu'il m'a dit là? Créer une copie. Je peux pas. Putain. Modifier le truc en courroie, ça. Alors. Tactique faire, je vais l'enlever ça. Voilà, j'enlève. Je vais mettre. Qu'est-ce que je peux mettre? Code. Ah, c'est bon. On serait... Ah, il faut mettre tactique d'adversaire. Ok. Je passe. Ah, je peux mettre tactique moi-même, hein, je te jure. Ah. Formation. C'est quoi ça? Formation? C'est quoi la magie là? Tactique, ma tactique à moi. Je crois que je vais refaire. Hein. Porter en cours. Voilà, je pars comme ça. Météo, c'est bon. Équipe extérieure, formation. On va faire formation. Je vais faire ça. Spectateur, je peux le mettre. Non, je vais essayer comme ça. Spectateur. Buteur, je mets pas. Je vais que ça. Attends, je vais voir si ça marche avec ça. Attends. Ah, c'est ça. Formation. Allez, let's go. Ah, ben voilà. C'est bien comme ça. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça, je crois que je vais refaire. Attends, je vais refaire. Attends. C'est mieux comme ça, parce qu'on me voit bien là. Je crois que c'est mieux comme ça, c'est pas grave qu'on voit pas. Hein. Voilà. Je vais chercher la photo. On a fait deux victoires. Hein. On a gagné Porto 4-0, gagné Fulham 3-2. Troisième épisode, peut-être. Encore... Ah, il reste deux. Ah, d'accord. Il reste trois matchs, les mecs. Il reste trois matchs. Hein. On fera trois matchs. Prochain épisode, on fera trois matchs. Pour le prochain match, sera West Ham, sera à domicile face au West Ham domicile. Après, à la finale, Arsenal à Wembley. Et le Paris Saint-Germain à la finale de la Ligue des Champions. Ça à Wembley encore une fois. Je vais vous montrer le. Le classement est juste là. Le classement, il est là. Le classement est juste là. Là comme ça. On se trait. Ok. Allez, c'est bon. Parfait. Voilà. Bon, je vais faire un truc avant d'attaquer la. Est-ce que je peux trouver les photos de stade? Parfait. Photo de stade 2020. Il est où la photo? Stade 2020. Je saurais ces outils peut-être. Attends, tactique, outils.
Le Real peut-être. C'est pas ça. Ah, c'est là. Attends, je cherche la photo. Bah, il y a des photos, putain. Photo stade. C'est pas ça. Attends. Non. Photo de stade. Attends, je regarde sur internet. Pack, stop, pack, c'est pas ça. Club. Ah, c'est les maillots. Musique. C'est pas ça. Ah, c'est ça. Pack 2024, 2020. Liga Stade, c'est ça. Hein. J'ai cherché, mais il n'y est pas. Attends, data. Non. Graphique. Non, c'est pas ça. Attends, je cherche. Ça j'arrive pas à trouver la photo du stade. Stade 2020 marque FF. Attends, je vais chercher FF20 peut-être pour trouver les trucs. Attendez. Pas les photos là. Pas ça du tout. Stade. Je vais sur YouTube les mecs, attends, je vais aller sur YouTube. Ciao, dans une autre équipe. Hein. Ah, c'est pas ça le truc. Là, du coup, alors. Ah, c'est sur le mec qui m'a dit là, garage, pas quoi là. Ah, celui qui a fait ça, ah, c'est ça. Salut tout le monde. Excusez-moi, l'équipe. Tac, stade, c'est pas là. Photo de stade. Attendez, l'équipe. Hein. Photo de stade, je cherche. Hein, si je retrouve. Ça, photo de ville, c'est ça. Voilà. Seul 3. Ah, c'est ça, attendez. 4. C'est quoi qui m'a dit là? Attends. Ouais, c'est putain, la pub. Attendez. Ouais, c'est bon. Ouais. T'as une titi, je l'ai. Hein. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça qu'il faut que je mette. Graphique City, ok. C'est bon. Ah, d'accord. Ah, ok. Ah, d'accord. Ah, je crois que je vais regarder. Attends, c'est City, je crois. Ah, je l'ai déjà, attends. Ah, ok. Ok. Ouais, ce graphique, peut-être. Ouais. C'est celui-là, je crois.
Ouais, c'est celui-là qu'il m'a demandé. Ouais, c'est en juillet. Et ouais, je crois que je l'ai. Est-ce que je l'ai le truc? Est-ce que je l'ai le truc? Graphique, je l'ai pas. Ah, il manque un truc. C'est ça qu'on voit pas. Ah ouais, d'accord. Main City me manque. Je l'ai pas. Pour retrouver. Je l'ai pas installé. Attendez. J'ai installé ça l'équipe. Je suis désolé les mecs. C'est ça que j'installe. Bon l'équipe, je vais faire ça. Je l'ai pas. J'ai que des trucs comme ça. Même 3, je fais pareil au 23 aussi. Hein. On verra. J'ai trouvé l'équipe les gars, mais en fait 2020, ben voilà. Attendez, ça va arriver. Hein. Tac. Copie sport interactive. Voyageur 2024, trafic. Bon l'équipe, je vais vous dire un truc. De toute façon, je l'ai mis. Hein. Je vais vous dire le prochain. Je vais vous dire le classement à domicile. On est sur 11 victoires, 4 nuls, 3 défaites à domicile. Ok. Et à l'extérieur, on est sur 10 victoires, 4 nuls, 5 défaites à l'extérieur. Ok? On s'en va à la partie. Bon, les gars, je vais vous laisser. On se retrouve. On va peut-être faire la photo du stade. Et je suis à vous. Ok? Allez, ça, c'est bon. 1h27 change. 1h27 d'enregistrement. Pas mal. Ça charge ou pas ça? C'est un peu long, quittez pas. On peut peut-être changer de partie parce que, en fait, changer de partie, je vais changer ma, je vais prendre ma carrière de Bardella. Je vais quitter cette partie-là. Je vais retourner à l'accueil, peut-être. Voilà, je vais quitter l'accueil de Bardella. Je reviens là. On va aller dans la carrière de Bardella. De Bardella, excusez-moi, les mecs. Je vois si je peux mettre une tactique en positive. Elle est où le bordel là? On va mettre 24. Désolé, je vais mettre la carrière Bardella parce que en fait la carrière Bardella va essayer de changer de pressing, tu vois, quand on va rester une tactique comme ça. Mais je vais regarder la tactique que je vais mettre en place. Voilà. Bon, déjà. 4, 2, 3, 1. Ouais. Bon, on va changer les consignes. Attendez. Bon, tactique, je vais changer de peu les consignes. Modifier. Ouais, je vais mettre en 4, 2, 3. Attends, je vais modifier un truc. Attends, je vais passer, c'est quoi? Modifier la tactique. Attends, la position, il faut que je joue. Ouais. Merde. Attends, on va faire modifier contre la position. Voilà, je vais. Non, c'est quoi, je vais essayer comme ça. Attendez, modifier la tactique. Contre la position, 4-2-3-1, petit attaqueur. Attendez ça, je crois. Ouais, je vais attendre ça pour le 4-2-3-1. Ah ouais, le problème c'est ça. La Croatie, ça va être compliqué à changer parce que tu vois, dans modifier, je crois que celle-là elle est pas mal, mais je crois que la tactique chasse elle est du truc. Hein.
J'analyse la tactique, mais j'analyse la tactique pour attendre une tonne de joueurs. Je sais pas, là. Je fais quoi là pour enlever ça? C'est ça qui vient, non, faut pas l'alléger. Ouais, tu vois. Ouais. Là, je crois que j'aurais pas changé les rôles. Là, je peux pas enlever ça. Désinstaller une dernière tour de joueur. Moi, je peux enlever ça. Elle va changer même. Attends, des joueurs, si on peut changer les joueurs. Ouais, c'est pas ça. Ah, pourquoi je peux pas changer? Putain, c'est un fou. Tactique, travail effectif. Comment lui? Alors, lui il veut jouer. Ah bah tu vois. Attends, je vois ici, je joue quoi? Attends. Il n'y a pas donné les consignes, le mec là? Entraînement. Ouais. Bah, il change pas les rôles. Les rôles vont pas changer. Il n'a pas changé les rôles. Ouais, mais là, tu vois, je peux pas changer. Là, je vais sauvegarder ça. Je vais la sauvegarder. Ouais. Ah voilà, les gardiens libéraux, je joue. Gardien libéraux, latéral défense. Gardien libéraux, ouais. Défense, bon, défenseur, latéral, mieux curateur, soutien. Ouais, c'est bon. Allez, je vais sauvegarder ça, l'équipe. Je vais sauvegarder cette partie de Barrera pour la tactique. Je vais la sauvegarder parce que j'ai peur de me faire, tu sais quoi. Je vais la mettre sur truc. Je vais faire un truc. On la met sur truc. Qui peut mettre. Ah, d'accord. Ah, je peux la changer la tactique, j'ai compris, tu vois. Attends, je vois si ça marche le truc. Attends, je vais refaire un truc. Si je vais faire préférence. Préférence. Attends, je vais mettre les matchs. Attends, on va faire interface. Ah, j'ai enlevé ça. Changer le thème. Ah, ok, d'accord. Il y a le cachet. Changer le thème peut-être. Confirmer. Ah, désolé. Bon, désolé l'équipe, j'ai en train de changer de partie parce que on rappelle que déjà on est parti sur une carrière Croatie pour voir si ça marche. Tu vois que les consignes sont pas mal. Ça marche le truc. Si on voit le truc.
Bon, bah, un saut pareil. C'est revenu. Attendez. Tactique. Ah, il n'y a pas le dessin. Il n'y a pas le stade là. Stade. Attends, stade. Ouais, il est, tu vois. Il n'y a pas le Osiek. Ouais, mais Croatie Osiek, ouais, tu vois, on voit pas le truc. Hein. Ouais, c'est juste la photo du stade Croatie, tu vois, il n'y a pas la photo. On va changer les trucs. Hein. Alors, je change le skin. Je vais mettre quoi là? Classique. Moi, je change le skin. Hein. Parce qu'en fait, ça, on voit pas le. Du stade, on le voit pas bien. Hein. C'est dommage. Hein. Ouais, je crois que je vais rester comme ça, mais là, tu vois pas bien. Tu vois pas le truc. Hein. Là, tu vois le stade et tout. Mais peut-être garder là. Tu vois pas bien ton stade et tout de Osijek. Enfin, d'Osijek, t'as pas la photo du stade. Tu vois que là, t'as le stade Osijek. C'est quoi des stades? Pas de choc. Ouais, c'est pas grave, je vais juste. Je vois les City, c'est tous les stades. Je vois les City peut-être. Attends, je vais regarder. Voilà, Manchester City. Première ligue. Ah, première ligue anglaise. City, ok. Bon, il y a tous les stades. Vous avez vu? Là, il y a la photo. Regardez. Là, l'Etihad. Et là, t'as. Ah, il n'y a pas la photo. Eh ouais, dommage. Ben, il faut un truc exprès. Hein. Bon, je vais sauvegarder, je crois. On va aller voir. Bon, l'équipe, je vais vous laisser. L'équipe, je vais vous laisser. On se retrouve demain pour la suite. Bonne nuit à tous. Merci. Tchuss. Merci à vous. Merci.